Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si ça ne va pas chez vous, ça ira, Inch'Allah. Tenez bon, ok. C'est une vidéo que je devais publier depuis, mais je n'ai pas eu le temps. C'était la veille du Ramadan et comment on a passé le Ramadan ici. Il y a des abonnés qui m'ont demandé comment ça se passait ici. Passons, c'est bien de voir ces enfants vouloir manger des nourritures africaines. Au début, ils étaient piqués, mais bon, là, ça va quand même, ça va bien. Mais le garçon, là, il est très piqué. Le jour, là, vous allez voir, là, il refusait de mettre quelque chose sur le jus, sur son attiéké. Il voulait manger le attiéké, là, simplement comme ça, sans rien. Donc, c'est ça. Il n'aime pas les oignons, la tomate, ce genre de trucs. Princesse avait déjà mangé, mais était quand même à table avec nous pour grignoter encore. Voici un peu comment ça se passe. C'est pas si grand-chose, c'est pas comme au pays. Donc, la veille du Ramadan, c'était le dernier repas en famille, avec les enfants. Et ensuite, le lendemain, la princesse était à l'école et moi j'étais restée à la maison avec la petite princesse et les hommes sont partis à la mosquée. Après la mosquée, ils sont rentrés. La plupart du temps ici, dans votre communauté, on organise quelque chose, une fête entre nous ou soit des amis peuvent cotiser entre eux et organiser une fête entre eux. Donc moi, pour cette année, to gather here every year is the legacy of the Muslim. It should not be limited to us. It should not be dependent upon us. It must continue as long as Muslims live. Just few days to the association of our deen is peaceful. Develop the inner peace. Extend peace in your interactions, in your relationship. Yes, we are a part of a larger community. We have young men and young women. We have youth, but every parent, the goal and objective is to see our children become successful, become productive. Allow your association, do not allow your interaction to affect others, to create fears in others. ولا كربا الا يسرت ولا مريدا الا شفيت ولا ميتا الا رحمت ولا دعاء الا استجبت اللهم اهد بنا باولادنا اللهم اهد بنا بازواجنا اللهم باعد بينهم وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب اللهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كل عام وانتم بخير عيد مبارك. Normalement, nous, on n'a pas l'habitude de fêter ça. On reste toujours dans notre coin. Donc, du coup, cette année, il y a un ami musulman qui nous a aussi invités. Donc, du coup, on est allé au parc et on a fêté ensemble. Il y avait à manger et les enfants se sont bien amusés. Il y avait d'autres clans, des autres pays, le Niger, la Guinée, d'autres personnes quand même qui étaient aussi dans le parc, qui célébraient aussi le Ramadan. On sait un peu comment ça se passe ici. Chacun fête dans sa famille là-bas ou dans la communauté quand il y a quelque chose organisé ou entre amis. Donc, c'est tout. On tue pas les moutons. Mais si vous voulez, vous pouvez aller en acheter. Si vous voulez. Il y a des moutons ici que vous pouvez aller acheter ou carrément même aller
à l'abattoir en dino. Vous choisissez le mouton que vous voulez et on vous tue ça. Donc, c'est ça. Tabaski aussi, c'est pareil. Ça se passera ainsi. On ira à la mosquée. On s'habillera. Tout le monde sera mignon, beau, belle. Donc, et après, direction la réception, s'il y a une fête organisée par la communauté ou si vous devez aller chez des amis ou carrément en famille. Donc, c'était un petit vlog sur comment la fête se passe ici en Amérique. Et puis, bisous et à la prochaine.